Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en direct de la voiture avec Myriam. Salam. Donc aujourd'hui la famille, comme tous les années, grâce à Dieu, on va faire une journée fast-food juste avant le ramadan. Parce qu'il faut qu'on fasse des provisions les gars pour notre gros ventre. Myriam, rappelle-nous c'est quoi le ramadan? Le ramadan c'est de pas manger et de pas boire. Donc il faut des réserves les reilles pour tenir ce mois béni. On va se mettre bien avec tacos, pizza, kebab. Je t'emmène au restaurant Myriam, enfin au fast-food, je suis en off-restaurant. T'es parti. J'espère que t'as choisi un bon fast-food. T'inquiète pas, calme-toi. Dans le fast-food, il y a tacos, pizza, kebab, il y a tout. C'est multifonction. T'es sûr? Clinique dentaire, c'est ça ton fast-food? Non, c'est pas la clinique. Dis-toi là, les gars, quand il va faire jour comme ça, on n'aura plus le droit de manger dans quelques jours. Donc là, faut qu'on se mette bien, Myriam. Pourquoi tu mets ta capuche? Parce que j'ai une coupe de. Fais voir ta coupe là. Eh, on arrive devant, les gars. La kebab! Non, mais à l'intérieur, il y a tout. Regarde, viens voir. Je vais m'énerver. Je t'ai ramené dans un fast-food. Il y a des pizzas, des tacos, ouais. Des burgers et des soufflés. Regarde, il y a tout ça là. Tu penses que tu vas choisir quoi? Tout. Tu vas tout prendre? Toute la carte. Mais tu vas assumer? Oui. Ok, vas-y. Aussi, tu vas manger. Hein. Ouais, moi je mange. Bah ouais, toute la carte. Tu penses que tu vas tout manger? Bah oui. Mais regarde ton ventre, ça va pas rentrer. Tu me sous-estimes? Mais il y a même des glaces et des boissons. Tu veux prendre quoi comme boisson? Un frise bleu. Tu veux prendre frise? Frise pour rester frise. T'es sûr qu'il n'y a pas d'alcool dedans? Non, mais toi aussi, tu en buvais avant en 2007 avec. Ah oui, elle m'a grillé. Regarde la méga tarte aux dents. Et tout ça, je la mange là, il y a 20 parts. La cargaison est là, les amis. Et dire que dans 2 jours, ça sera terminé la journée. On devra jeûner, mais on est content de jeûner, les gars. Donc on va ramener ça dans la voiture. Viens, on va les attacher. Vas-y. Mouah. Ma petite chérie, tu vas mettre la ceinture. Et j'appelle que la bouffe, ma chérie. Même ma femme, je peux même pas, je vais l'appeler ma chérie. Ok. Vous bougez pas, hein, d'accord, les enfants? Ah, mais vous allez vous calmer là? Oh, arrêtez, hein. Mais ils arrêtent pas de crier, les enfants. De toute façon, dans 2 minutes, vous allez finir dans mon ventre. Mais Denis, comment on va manger que tout ça? Myriam, dans 2 jours, on n'a plus le droit de manger. Mais donc comment on va faire là? C'est pour au moins 4 personnes. Mais écoute, c'est pour tout le mois là, c'est pour le début du mois, la moitié du mois, la fin du mois. Il faut des provisions, des réserves, les gars. Je vous promets, il n'y aura pas de gaspillage. Même papa, il va rentrer, il sera content. Donc j'explique ce qu'on a pris. On a pris une boisson freeze. Depuis tout à l'heure, elle essaie de l'ouvrir. On a une pizza, les amis. On a des frites. Ça, c'est Myriam qui les a fait, les frites maison. On a un grec, un tacos. Et ici, on a un soufflé. Ça, c'est une masterclass, les amis. Mais non, moi, je veux pas. T'as oublié de goûter. Non, je veux pas. Voilà, j'en bois pas. Je bois pas de boisson comme ça, j'aime pas. On commence par quoi, Myriam? La pizza. Ok. j'ai hésité. Moi, je vais prendre cette part. Non, arrête d'abuser. Voilà. J'ai envie de mettre la sauce pimentée pour une fois. Quoi? Les gars, je vais tenter l'expérience. Sauce pimentée. Parce moi, après. À chaque fois, ils la mettent et je m'en sers jamais, genre. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Voilà, un tout petit peu. Après, moi aussi, je m'en mets un petit peu. Toi aussi? Oh, la rocopieuse. J'ai trop envie de goûter. Donc, les gars, c'est une pizza basse crème fraîche, poulet, champignons, pommes de terre. Bismillah. Myriam va être d'accord avec moi. Hein. Et les pizzas... Ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Genre, les pizzas dans les fast-food, c'est tout en haut. C'est incroyable. Gratter une pizza, genre, c'est impossible. Franchement, la pizza basse crème fraîche, c'est la meilleure. Ça dépasse. Merci. Merci. Comme quoi, vous avez vu, je l'emmène dans un fast-food, ils font pas que des pizzas. Ils font tacos, pizza, tout, mais ils sont bons genre en pizza. Je pense qu'ils sont même plus bons que certaines pizzerias, faut le dire. C'est l'une des pizzas que j'ai jamais meilleur mangé. Ouais. C'est-à-dire que dans 2 jours, c'est lundi ou mardi le ramadan? Je sais pas. On sait pas encore, faut regarder la lune, je crois, si on voit la lune, c'est-à-dire que c'est lundi. Ouais, peut-être après-demain, on pourra plus grailler la journée. C'est pour ça que nous, on profite. Tous les ans, on fait ça, c'est une dinguerie. Le grec. Ça, le grec, les frères, plus personne en mange, on est d'accord. Ouais. En fait, on a tellement mangé ça, t'as vu, quand j'avais votre âge, c'était grec, matin, midi, soir. Grec. Viens, on va goûter les frites. Bismillah. Attends, moi aussi, j'avais des frites. Viens, on goûte celles-là, elles sont archi bonnes. C'est des frites congelées, mais je vous promets, elles sont super bien faites. Ouais, on dirait vraiment des frites faites maison. Les frites de Myriam faites maison. Non, je préfère ceux de ma soeur. Wallah, je préfère les tiennes. Ok. Et voilà les gars, c'est elle qui a épluché les pommes de terre. Genre elle a appris à faire ça, je suis choqué. T'as mis quoi? T'as mis de l'huile? Du paprika. Paprika, et c'est une dinguerie. Salut toi, je l'ai blindé. Moi j'ai les gars, je prends pas kebab, je prends poulet. Bismillah. Ouais, il l'a éteint comme t'éteins la lumière. Ça me rappelle mon enfance. Non, on n'avait pas trop d'argent, tu vois, avant. On allait devant le grec et au lieu de faire des bêtises, on allait voir des gens et on leur disait « Madame, vous n'avez pas 1 euro, 2 euros s'il vous plaît ?» Et des fois, il y en a, ils nous donnaient, on avait 6 euros, on s'achetait un grec, on le mangeait à 2, voire 3 et après on allait jouer au foot. Oh, mais Myriam! Mais calme-toi! Je sais que c'est bientôt le ramadan, tu fais des provisions, mais calme! Ah, tu lui as fait un pressing, miskine! Tu veux un mouchoir? Ah non, au fast-food, on y va, il n'y a pas de mouchoir, c'est débrouille-toi. D'ailleurs, la famille... Avant d'attaquer le tacos, on va vous donner nos techniques pour tenir le jeûne du ramadan. Déjà, sachez qu'il faut demander à Dieu, quand vous faites la prière, dites à Dieu, Ya Allah, facilite-moi de jeûner. Parce qu'il y en a qui oublient de le faire et c'est grave dur. Moi, dès que j'ai fait cette invocation, Ya Allah, facilite-moi le jeûne, je te promets que le jeûne, c'est devenu de plus en plus facile jusqu'à ce que je faisais du sport. Donc Myriam,
Tu vas nous donner une technique ou deux et après je donne une technique ou deux. Okay. Pour l'instant, je vais taper le tacos. Bismillah. Alors moi, ma première technique pendant le ramadan, c'est pas de ne pas regarder le truc à manger. Moi, franchement, même si tu manges devant moi, ça me fait rien. Mais moi, en fait, ma technique, c'est de retenir vraiment, mais vraiment longtemps. Penser à la récompense et aussi de ne pas regarder des fois des vidéos de bouffe. Ah ouais, les gars, si la journée, vous regardez des vidéos où des gens ils sont en train de manger, mais ça va vous empirer votre faim. Regardez le soir au pire. Nos vidéos, on va faire des vlogs ramadan, inchallah. Regardez le soir si vous pouvez pas tenir. Deuxième conseil, les gars, mangez bien. Ne mangez pas des Kellogg's, des gâteaux. C'est ça, ça va te donner faim grave vite. Il faut manger genre des pommes de terre, des bons, de la viande, ce qui se digère lentement, tu vois. Non, des œufs le matin. Des œufs, ouais. Je sais que c'est un peu bizarre, les gars. Vous allez voir qu'on va faire notre repas à 4h du matin. Mais il faut manger des bons aliments, de la soupe, des bonnes choses. Si vous mangez des gâteaux et tout. Mais dis pas de la soupe. Pourquoi? Tu manges pas de la soupe à 4h du matin? Non, pas de la soupe à 4h du matin, mais en mode des bons aliments qui vont se digérer longtemps dans l'organisme. Ça, c'est très important, les crêpes. Et le tacos, les gars, je suis choqué parce que ce fast-food-là, il s'appelle l'Authentique. Ils sont polyvalents. Ils font des bonnes pizzas, des bons grecs. Et le tacos, il est très bon. T'allais dire le tacos, il est authentique. Le tacos, il est authentique. T'en penses quoi du tacos? Moi, je trouve il est bon, la sauce fromagère et tout, c'est carré. Hein. Je trouve on sent très très bien le goût du cordon bleu. Et en plus, c'est pas un cordon bleu comme on voit tous les jours. Hein. C'est ouais. Un cordon bleu un peu épicé. Franchement, je kiffe de ouf. Mm. Et ici, les gars, on a la surprise. Un truc qu'on voit quasiment jamais. Ça, les gars, c'est la spécialité à l'Authentique. Ça s'appelle le soufflé. C'est mon cousin Nassim qui m'a fait découvrir. En gros, c'est une pizza, vous avez vu, refermée avec des bouts de chicken tikka et du fromage. Et c'est bien grillé. Et je vous promets, hein, dans mes souvenirs, c'était une dinguerie. Bon, je vais goûter, bismillah. Ah oui, les gars, j'avais un dernier truc à vous dire pour le fthor. Wow. En fait, vous voyez, chaque ramadan, je me fais arnaquer, moi. Quand c'est l'heure du fthor, après, tu manges. Et après, après deux crocs, t'as plus faim. En mode, c'est un trompe-l'œil, ton ventre. Ouais, t'as grave faim et tu manges une ou deux bouchées, t'as plus faim. Myriam, goûte-moi ça. Les gars, je sais pas c'est quoi le fromage qu'ils mettent au-dessus. Hein. Mais c'est une sacrée dinguerie. Je vous promets, c'est une sacrée dinguerie. C'est chaud. Pourtant, ça fait 20 minutes qu'on est sorti, c'est toujours aussi chaud. Ouais. Mais on dirait que t'as un dragon. Moi, quand j'ai croqué, il n'y avait pas de fumée. Comment ça se fait qu'il y a de la fumée? Wesh. Je croquais là. À l'intérieur, c'est de la merguez. Non, c'est pas de la merguez, c'est du chica rouge. Du chica rouge, frère, concentre-toi. Elle a dit que ça, c'est de la merguez. Ça a le goût de la merguez, c'est un trompe-l'œil, le truc. Du poulet, les mecs, qu'est-ce qu'ils racontent? Elle dit n'importe quoi. Et la merguez, c'est du canard, peut-être. En tout cas, les gars, l'Authentique, c'est vraiment validé. Il est authentique, ce restaurant. Il est authentique, ce restaurant. Ils font tout bien, c'est incroyable. On va finir de manger ça et après... Allez, dépêche-toi. Après le salé, c'est le sucré. T'as encore de l'espace? Bah oui. Là, il y a une boulangerie. Je sais pas si on aura le droit de filmer, donc on va être discret et efficace, ok? On a dit après le salé, c'est le sucré, mais il n'y a pas de place. J'ai pété un câble. Laissez-moi là, à la boulangerie. Mais pourquoi tout le monde est garé partout? Mais laissez-moi à mon prendre mon dessert. Mais c'est quoi cette rue, gymnase? Je vais pas au gymnase, je vais à la boulangerie. Arrête de filmer, Myriam. Tu vas où? Mais la voiture, elle est là. On va se mettre bien. Et on va goûter dans la voiture, les destroyers. Et fais gaffe quand tu montes. Fais gaffe à ne rien faire tomber. Elle a pris ça, la famille, regardez. Mais montre-leur, on sait même pas ce que c'est. On voit tes gros doigts pourris. Mais ça a l'air de détruire, hein. Il y a marqué le destroyer, donc ça veut dire que c'est une dinguerie, ça pique et tout. Hein. Regardez, le destroyer. Attends, à toi. Non, moi je prends rien, je vais conduire. À toi, moi je renverse tout, du coup faut les mettre derrière avec les autres enfants. Non, mets-les par terre, Quoi par... Tu respectais pas ces. Tranquille, tranquille, après ça t'auras plus de bouche. Bismillah. Oh, doucement, Myriam, arrête. Myriam, calme-toi. Au début, t'as le coca, c'est incroyable et tout. Après, t'as le piment extrême qui arrive, après le piment fort, et vers la fin, t'as le piment doux. Et après, ça a le goût du coca et tout, là, c'est incroyable. Très important, les amis, juste à la pause, brossez-vous les dents. Mais Ram, est-ce que pendant le ramadan, on a le droit de se brosser les dents? Bah oui. T'es sûr? Oui, tant que ça vale pas l'eau. Exactement. T'as vu du dentifrice au charbon? Mais c'est une blague. Regardez, son dentifrice, il est noir. Moi, j'ai un dentifrice bleu. Bon, les gars, je viens de me brosser les dents, regardez. Tantôt de blanche. Et les gars, c'est très important de se brosser les dents parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se brossait tout le temps les dents. Et vous savez, il se brossait les dents avec quoi? T'as une idée, Younes? Avec du siwak. Ouais, avec du siwak. C'est un bâton et tu fais comme ça. Comme ça. Et ça, il y en a ça à la Mecque, à Médine, il y en a ça dans les pays. Même ici, il y en a partout. Hein. Ouais. Après le salé, c'est le sucré, les amis. Et ça, là, c'est la dernière fois qu'on mange ça, je pense, pendant au moins un mois. On va plus jamais manger ça, à part pendant le jour de l'Aïd. Ouais, peut-être. Parce qu'on va jamais à la boulangerie pendant le ramadan, je pense, vous aussi, c'est pareil. Maman, ils font pas ça, maman, ils font pas des trucs comme ça. Bah, si, elle est capable. Ah, ouais, je sais, mais pendant le ramadan, elle a pas le temps. Non, elle a pas le temps. Donc. Le truc fait la taille de maman. Au revoir, les amis. Vous allez venir dans notre ventre. Donc, on a pris la religieuse au chocolat. My chocolat. Et on coupe en deux. Ouais. Oh, c'est fourré à l'intérieur. Est-ce que cette boulangerie fait des bonnes pâtisseries, bismillah?
Me dis pas que c'est chaud là, t'abuses quand même. Non, je me suis cliqué. Je t'ai. Pas trop parce que le chocolat, il a le goût de la danette. Mmh. C'est bizarre. Voilà, la salle, j'aime pas trop. Et ouais, ça a le goût de la danette. C'est pas là, genre du vrai chocolat. Ouais. Je sais, j'espère que c'est pas congelé quand même. Ils vont peut-être se rattraper sur le prochain. Alors, ça, c'est un croissant. C'est un croissant à quoi? Ah oui, c'est un croissant avec. Vous voyez ce qu'ils mettent à la galette des rois là? Frangipane. Bismillah. Oh là là. Ça me rappelle la galette des rois. Je peux en manger 500, je crois, je serais jamais calé. C'est trop trop bon. Genre dans un café là, on respecte pas. Normalement, on a un chocolat chaud. On respecte vraiment pas les amis. Tu dis café toi. Et on finit par. Oh, c'est pas un tacos. Le pain suisse, faut toujours découper en deux. Comme ça, il n'y a pas de triche. Est-ce qu'à l'intérieur, ils ont mis. Ouais, ils ont mis. Oh là là, c'est plein de pain suisse. C'est un pain extra bon. C'est bébé. Le plus bon entre ça et ça. Mais c'est, tu penses que c'est ça? Bah oui. Mais moi j'aurais dit ça les frères. Passez un bon début de Ramadan, Inch'Allah. Moi je vais aller normalement, dormir. On va vous faire des vlogs. Tu vas dormir? Ouais, parce que j'ai trop mangé là. Ça veut dire que je pourrais finir ça? Touche, vas-y, touche. Pour ça les gars, passez un bon premier jour de Ramadan. On essaiera de vous faire plein de vlogs du Ramadan. Et ciao. Ciao.